Alors notre association Échange pour une Terre solidaire travaille à la réappropriation citoyenne de l'alimentation. Voilà, c'est sur ce principe qu'est organisé son projet associatif. On a deux personnes qui interviennent à la demande soit de communautés de communes, soit d'écoles, soit de collectivités, sous forme d'ateliers culinaires adaptés aussi à une salle de classe, voilà, donc simple, ou d'intervention, ou de relais d'un dispositif qui s'appelle Un fruit pour la récré, qui permet de distribuer des fruits, dans notre cas bio, dans les écoles. Voilà. Et sur événement, c'est aussi les ateliers culinaires que l'on conduit, qui sont des opportunités en fait, pour communiquer sur toutes les informations relatives à la qualité alimentaire, à où on achète ses produits. Donc on fait beaucoup de relais aussi pour informer les gens par rapport à ce qu'ils ont sur leur territoire. Hein. On leur explique les possibilités d'achats locaux. C'est souvent à la suite d'un atelier, c'est les questions qui viennent, comment je vais faire, etc. Donc on leur donne des informations précises sur où acheter, comment. Bah, nous, on est très contents, évidemment, d'avoir ce prix. Pour nous, c'est aussi une reconnaissance par rapport à tout un engagement citoyen, parce que, bon, aujourd'hui, on a des salariés, mais il y a toujours beaucoup de bénévolat. Il y a aussi une association avec des gens qui s'impliquent au quotidien. Voilà. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est on va continuer toujours avec la même ténacité, hein, d'informer, de proposer des activités, peut-être encore d'être plus performant sur la communication qu'on peut mettre en œuvre pour se faire connaître aussi. Voilà.